Faites bouillir la pomme avec le romarin et vous aurez une grande surprise avec les résultats. Bonjour et bienvenue sur notre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne. J'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors, si vous aimez prendre soin de votre santé avec les meilleurs remèdes naturels faits maison, abonnez-vous à cette chaîne YouTube au cœur du bien-être et surtout activez toutes vos notifications pour ne pas manquer les 3 vidéos minimum que nous partageons chaque jour. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Les bienfaits de la pomme restent intacts si vous la consommez en infusion. Combinée au romarin, cette dernière nous aide à réguler notre taux de cholestérol et nous apporte des propriétés anti-inflammatoires. Les thés médicinales, quel que soit leur type, sont des boissons aux propriétés curatives assez importantes, surtout lorsqu'on les prépare avec de bons ingrédients. Cette infusion est capable de fournir de multiples bienfaits pour la santé. De plus, dans le domaine populaire, on dit que ces acides aident à brûler les graisses en favorisant ainsi plus facilement la perte de poids. En numéro 2, ce remède active le système immunitaire. Grâce à la vitamine C des pommes, nous parviendrons à renforcer le système immunitaire de cette manière. Les possibilités de souffrir de maladies communes diminueront, car les défenses de notre organisme seront à leur maximum. C'est un régime de désintoxication. On pense qu'il pourrait aider à nettoyer le corps des toxines accumulées. Cela est principalement dû à l'augmentation du volume d'urine, dû à l'augmentation de l'apport hydrique. En numéro 3, ceci désenflamme. Ce mélange contient, selon une étude, des flavonoïdes qui sont des éléments chimiques qui aident à réduire l'inflammation et la douleur. En numéro 4, ceci améliore la digestion. Ce remède aiderait à réduire le processus de décomposition des aliments, ce qui améliorera l'impulsion digestive. D'un autre côté, cela régulerait les problèmes que vous pourriez subir au niveau du tube digestif. En numéro 5, ceci aide à perdre du poids. La consommation d'un verre de ce remède à jeûne stimule la sensation de satiété. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas manger, mais vous ne ressentirez pas d'anxiété quant au fait de manger. La gestion du mécanisme de l'appétit est essentielle lors de la planification d'un régime qui vise à perdre du poids et à prendre soin de votre santé générale. En numéro 6, ceci réduit le cholestérol. Les fibres, les flavonoïdes et les polyphénols contenus dans le romarin prévient les niveaux élevés de mauvais cholestérol, ainsi que la probabilité d'apparition de cette matière. En outre, mauvais cholestérol est considéré comme un excès de cholestérol sanguin. Les possibilités de souffrir de problèmes cardiovasculaires sont largement réduites. En numéro 8, ceci fournit de l'énergie. Inclure ce remède dans votre alimentation peut être une bonne décision pour lutter contre la sédentarité. La consommation de cette boisson vous donnera plus d'énergie pour effectuer vos tâches quotidiennes. Cet apport énergétique peut être celui dont vous avez besoin pour commencer à pratiquer du sport. Comment préparer ce remède? Découpez 2 pommes en petits morceaux et mettez-le dans une casserole. Ajoutez 4 verres d'eau. Quand l'eau commence à bouillir, ajoutez ensuite une cuillerée de feuilles sèches de romarin et laissez bouillir pendant 3 minutes supplémentaires. Éteignez le feu et couvrez la casserole. Laissez reposer pendant 5 minutes. Ensuite, filtrez l'infusion et elle est prête à consommer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce genre de vidéo et vous aimeriez revoir plusieurs autres vidéos à ce sujet, likez cette vidéo, commentez et surtout partagez au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin qu'elle puisse aider bien d'autres. Et aussi, n'oubliez pas de me laisser le nom du pays depuis lequel vous me soutenez dans les commentaires afin que je vienne laisser des cœurs sur ce beau pays depuis lequel je reçois votre soutien. On se dit donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez vos bisous comme ça. Mouah. Bisous, bisous. Bye bye.